presque tout le monde est là. Canou va reprendre aujourd'hui, c'est une bonne chose. Beaucoup de concurrence sur chaque position. Alors, des problèmes positifs en sélection. On voit que c'est une compétition différente à Roumanie, au Japon. Mais ça marche bien. L'intégration dans la vestiaire, c'est déjà fait, je pense. Alors, sur le terrain, c'est un avantage que tout le monde s'entend bien. Ça, ce sont des choses très importantes, même pour les Japonais, hein, qui ne savent pas parler un peu de français ou en anglais. Mais ça marche. Ils me semblent heureux, même qu'ils n'ont pas encore joué beaucoup de matchs, mais ils savent bien que ça prend un peu du temps. Dans les autres clubs, ils ont fait aussi des transferts et on peut bien regarder, on peut bien voir que ce n'est pas si facile qu'on pense. Hein. Même à Anderlecht, à mon avis, on ne peut pas forcer et pas mettre tous les joueurs ensemble dans l'équipe parce qu'on a aussi montré avec les autres qu'on a bien fait. Mais la concurrence est là et ça, c'est le plus important. Et ça, on voit à l'entraînement. Ça marche bien au jeu. Allez, ça marchait toujours, mais maintenant, on voit chaque entraînement, même sans le coach, on a vu hier. Ils sont prêts. Il faut freiner les actions et ça, c'est une chose très, très, très positive. Il n'y a pas de violence, il y a beaucoup d'amitié dans le groupe, même avec les nouveaux. Ça, c'est pour nous une bonne signe pour continuer comme ça. Mais les places, c'est à eux, c'est au coach qui décide à la fin de la semaine et on sait bien que le coach regarde bien les entraînements pour juger pour les places au week-end.